Nation Tel Aviv for the Palestinians, speak out for Palestine, defense la Palestine ici. Illégalement.
De plus en plus de citoyens dans le monde se rendent compte comment l'État d'Israël se comporte quand il est question du respect d'autrui de la vie humaine. Il se croit invincible et irréprochable, mais il ne l'est pas. Il faut exiger une protection réelle dans ce pays occulte qu'est l'Israël. Il faut dénoncer les politiques sionistes et des abuseurs. Il faut travailler pour protéger les droits humains des Palestiniens. Il faut exiger aussi que le Canada dénonce, condamne ce qui se passe. C'est pas normal que ça fait plus... L'occupation, les gens se plaignent de l'occupation, on les écoute pas. C'est pas normal qu'on arrête des enfants, qu'on tire sur des enfants. C'est pas normal qu'on tire sur qu'on poignarde des gens. Ça fait un mois, ça fait plus de 70 personnes qui ont été tuées en Israël. C'est pas normal. Alors, si c'est ça être faire affaire avec Israël, ça vaut pas cher. Le Canada doit se tenir debout, il se tient pas debout. On a un nouveau premier ministre. On espère qu'il va faire des choses pour les droits humains, parce que les droits humains, ça fait très longtemps qu'ils sont bafoués en Palestine. Alors, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on réagit ici, pour dénoncer ce qui se passe là-bas. Ça fait longtemps que les gens ne veulent pas s'en occuper, mais il faut s'en occuper. Quand on s'en occupe des droits des autres, on peut être en sécurité. C'est ça qu'ils veulent, une sécurité. On n'aimerait pas ça se faire prendre notre maison. On n'aimerait pas ça qu'on arrête nos enfants et qu'on les remette jamais. C'est ce qui se passe en ce moment. On n'aimerait pas ça qu'on nous arrête à tout bout de champ dans la rue. On nous demande le papier. Et on ne puisse pas aller travailler. On ne puisse pas aller chercher de l'argent pour manger. Le droit à l'eau est dénié. Beaucoup moins d'eau pour les gens, les Palestiniens. Alors, c'est grave, c'est des droits humains qui sont bafoués constamment depuis 48 dans le Moyen-Orient. Et le Canada se ferme les yeux et contribue à ce que ça se perpétue. Les Palestiniens n'appartiennent pas aux Israéliens. Ils ont le droit de vivre en paix. Et puis, depuis trop longtemps, le Canada suit les politiques d'Israël. Il faut y arrêter de participer à ces politiques haineuses qui ne mènent nulle part. Il faut arrêter de vous organiser. Il faut dénoncer ce que fait l'Israël. Ici, nous sommes devant l'entrée du consulat israélien. On est ici pour dénoncer ce que l'Israël fait aujourd'hui et depuis plusieurs années, plusieurs décennies aux Palestiniens. Vous avez le droit de vous informer, vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit de poser des questions au gouvernement, vous avez le droit de critiquer Israël. C'est rendu qu'on veut passer des lois, qu'on ne critique pas Israël, qu'on ne critique pas les abusants. Il faut dire non, c'est une insulte à l'intelligence. C'est pas juste en Israël qu'on fait ça, c'est ici au Canada, c'est grave, avec des lois. La loi C-51. Ils peuvent passer toutes les lois qu'ils veulent, mais ça ne va rien changer. Un abuseur, c'est un abuseur. Et ce pays-là se comporte comme s'il était Dieu. Il n'est pas Dieu. Désolé, ça paraît pour tout le monde. Les Palestiniens se sont fait voler leur place. Ils se sont mal comportés. Ils commettent des violations jour après jour. Ils pensent qu'on va pas résister, qu'on va se taire. Non, il ne faut pas se taire. Il faut que vous preniez la parole, il faut vous informer, il faut poser des questions au gouvernement, il faut remettre en question les politiques canadiennes, il faut remettre en question les politiques d'Israël. Non, désolé, mais ce n'est pas un pays démocratique, ce n'est pas un pays qui parle un peu de peuple. Enfin, les accords de paix sont nulle part, ont toujours été sabotés. Vous avez le droit de changer les choses. La paix est possible. Si vous voulez qu'elle change, il faut agir. Il faut poser des questions. Il faut exiger de votre gouvernement qu'il agisse, qu'il condamne ce qui se passe en ce moment en Israël. Il faut que vous preniez la parole pour les gens qui ne peuvent pas prendre la parole. Ils sont vraiment enfermés chez eux. Et comment ils peuvent
voudraient sortir n'ont quand même pas le droit de sortir. Il faut dénoncer ce qui est arrivé l'année passée.